Voilà, très chers téléspectateurs, comme je vous l'avais dit, Kotoza Awa na ONG, le char, le sentinelle, Wapi Kambami, na maman Rebecca, une maman de grand cœur, maman Mouté, maman Nene, Wapi, a consacré la vie, na maman Bozuna, na à son arabe orphelin, à son arabe veuve. L'événement tout ce qui bino tout y a pour nous couvrir na espace na biso li solo na chaîne na bino kitoko ma solo et mboka wet bouzanda ba information nyonso ezala ba information nyonso e bot e batami biso to kina ko kundola yango pour nous memela bino yango to sa ki descente oyo il y a deux fois ma maman soupe ba ndima ko sa ma soupe ka pour na pas ada veuve mta ko sungaye azati to mona ba maman soupe ba koma ba prostituée mais elle étant que moi si à ma bondeli à salikara au makomi lobi kosunga ba veuve pe kosunga ba orphelin voilà na tikibino bolanda remise ya ya don au maman Rebecca ko maman amote mamone ne maman mabondeli azo sala et on se retrouve juste après dans une interview mon remkier avant de les annoncer mais bolanda comment est-ce que événement ils ont s'est déroulé voilà. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie parce que nous avions vu directement la présence des visionnaires. C'est pour cela que nous allons directement accorder la parole de Dieu. Pour qu'il doit directement nous communiquer la parole qu'elle était venue en faveur de maman veuve et des orphelins. Et quand nous voulons directement parler de Dieu, le diable ne peut jamais accepter. C'est pour ça devant la parole de Dieu, le diable n'a aucun pouvoir. Parce que Jésus nous a donné le pouvoir de marcher devant les serpents, devant les scorpions et toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. C'est pour ça qu'à ce moment, nous devons demander que la parole de Dieu doit dominer dans cet endroit. Et le Saint-Esprit, l'évangile, c'est pas l'excellence, il va être dominé par Dieu et il va nous parler dans la canard de notre servante de Dieu, la visionnaire maman Rebecca. Maman Rebecca. Ce qui maman m'a battu la zone, il va coloba na yambona te ya. C'est la maman de. C'est la maman de notre. Je suis un peu plus de temps. Amen. Mote na biso nyoso na kombo la bwana Yesu. Kola pambo la bino. Amen. J'ai seulement une petite exhortation par rapport aux veuves. Nazana mwa lité ya mungeko la ndisa mana ba mama veuve. Oui, parce que c'est une journée spéciale. Pote zani mo kola mutu ya mingi. Les distributions de veuves. Oya solo ya koyeba ko kabola pona ba veuve pe na ba orphelins. Amen. Amen. Jacques 1, verset 7 nous dit. Nous allons nous candidat Jacques 1, verset 7, c'est le baboué. La religion pure et sans tache. Alobi et ce boyambi à solo, oya pétoa père, isanga, oli baby. Devant notre père. Liboso na zambé na biso. Ça consiste à visiter. Les orphelins et les veuves. Et Sengeli Bokende Kota la veuve pena ba orphelin. Dans leur affliction. Nabisika na bango ya passe. Et se préserver des suyir du monde. Ape koye bako kimaka o ezali masumu ya mokili. Amen. Amen. Religion. Ya solo boyambi ya malamu. La religion ce n'est pas qu'on dise que moi je suis chrétienne.
Et si tu ne fais même aucune chose devant le veuve, ça n'a même pas de sens. Si la Bible nous dit, ça veut dire c'est le cœur de Dieu. D'aller consulter le veuve, d'aller le visiter. Dans leur souffrance, dans leur affliction, pour qu'ils puissent pas se fuir. Amen. 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 Aujourd'hui, il y a des veuves aussi qui ne respectent pas la loi de l'Éternel. À cause de la souffrance, ils se livrent leur corps. À cause de la souffrance, ils font des choses qui n'est pas la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, j'ai seulement cette petite exhortation. Je n'ai pas beaucoup à rentrer. Ce n'est pas une prédication aujourd'hui. C'est que le Seigneur a mis dans mon cœur, ce que j'ai apporté, comme j'avais promis, je vais donner à ce que leur nom se trouve dans la liste. Donc le peu que j'ai, c'est ce que je vais partager avec le veuve, avec les responsables qui sont là, qui vont m'aider, me soutenir pendant ces moments-là. Moi, je vois dans la Bible, il y a des veuves. Comme je vous ai dit la dernière fois. Qui consacrent leur terre dans l'Éternel. Qui consacrent leur vie à Dieu. Parce que c'est lui qui est le mari de veuve. Il est le père des orphelins. Alors, les pères qu'on va vous donner, faut savoir les multiplier. Il est le Dieu de l'abondance. Ce n'est pas le Dieu de la médiocrité. De l'abondance, amen. Là maintenant, il y a l'écran qui nous prend comme témoin. Oui, ce qu'on va vous donner, savoir se multiplier, parce que Deutéronome 28, elle nous dit, vous serez la tête, non la queue. Tout ce que vous allez prendre dans votre main, ça va multiplier. Amen. Tout ce que vous allez toucher, ça va réussir. Ce n'est pas aujourd'hui, on vous donne quelque chose, et puis la maman passée va rester avec des responsables. Et toi tu fuis, tu changes l'adresse, on ne peut même pas te suivre là où tu es. Sois vrai avec Dieu, l'Éternel est notre témoin, il te voit. Amen, amen. 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 Le Seigneur. Que tout le monde soit à sa camacala pour dire que maman Rebecca n'est pas bismillah, maman a monté ma monnaie, monté ma malamou, ou à pièce sur ma baveuve. Tout ça, maman Moko a bémé la bisso, comme nani maman? Maman Bernadette. Maman Bernadette. Oui, peine à ONG de Charles Sentinelle. Impressionnant les années. Oui, awa, maman a zo sur ma bisso. Tout ça, mon bon, au poto teka, tout teka pour sur ma bisso. Tout y est, va faire aux zones.
mais ok on est nini aide maman salut salut malin mon point à biso va vivre et son abus au pays toujours débrouillé n'a rien à battre dans la bande d'arco dame peut poto et aux hommes sera à d'accord merci beaucoup voilà tu rejoins maman sous sous beauté maman beauté comment on est maman bancoumouna maman bancoumouna maman koumouna lélo maman Rebecca a deux peu sabine ta camacala et son abino oui que le banini pour moi acte maman Rebecca posé ok coupé ça et merci n'a ouais à saler l'issue. Merci Kaka. Et les Kébélé. Émotion. Vous comprenez que maman Koki Koloba, t'as l'objet car maman Rebecca. Merci et Bélé. Voilà. Tout. Maman, Mbote, maman. Mbote. Comment on allait maman Tchingani. Maman Tchingani. Mbote, maman, et maman Rebecca, et maman, à travers Bino Baveuve. Au Rue Koloba. N'a pas essayé, merci, n'a pas sali Kat Nabiso. Tout bon de la Awa, à Sungi Biso, Biso à Veuve. Na ba na bitike tozana bango na muke oya pesi biso en tout cas nzambe a pambola e to pesi merci mingi est-ce que promesse c'est bien za pena ke ndenga pesi boye ndenga lingi botambola na e botambola bongo to botambola bongo boza penda affilié na ONG maman ile to koza la bongo voilà merci bonjour que maman ba tondi na esengo vraiment makasi ba maman mbongo robanda commerce et alité maman Rebecca alobia sunga maman zoa oyo teka voilà tout ça sous maman. Maman, beauté. Bon. Maman Lébé. Comment on a Sidon? Maman Sidonie. Maman Rebecca. Maman Moté, maman. A pensé à Bino Baveuve. Maman Rebecca, quand il s'y soit Sungi Bisson. On a tout ça dit à Baveuve, et n'a pas fait. On a pensé à Messi, Mingi, Nazakoutou. Et à Mingi, à Kolobate, Souka, Oan. Merci. Voilà, vous comprenez que l'émotion est tellement ébellée. Et ça a merci, Nézo Bimamingi, dans mon cœur, maman. Et ça a makalate. Ils appellent ma maman Barozanguba pour la ressouna. Bango, ils ont maman Bazupe, Mbongo pour la commerce. Bango, Bazan a fonté, mais maman Rebecca a tiré Bango un pas en avant pour dire au Meka un peu que ça allait le repousser. Mbote Nabino. Mbote maman. Mbote papa. Comment on est? Ngaï, comment on est? Maman Mbia Élysée. Maman Mbia Élysée, na ONG Le Char et Sentinelle. Maman présidente. Présidente Yaba Veuve. Yaba Veuve. Lelo moté ma monnaie et maman Rebecca car on est à la moté ma maman depuis des années à ta vie naïe mon moqué naïe mon besoin naïe que son baveuve n'a pas orphelin rougeau le banni na lobby boy tous allés na esengo makas ya kota la maman visionnaire Rebecca na acte oya saléli ba maman veuve oya kope sa bango microcrédit oy na kati à les sentinelles des chars. Les alliés sengo que ba mama oyo bazala ba mama ya volonté ya kozongisa mbongo na kimya nyonso eri bazozongisa pona ba mususu pe bazuaka eri wane kozala esengo ya onje na biso ekokendende liboso bulamu ya mama na biso Rebecca yango to sepeli na esengo ya lelo. Est-ce que vous pouvez lancer un appel et bateau pour que ma maman pour soutenir l'œuvre Oyo et l'ONG à maman Rebecca? Oui. Ma maman est belle, ma Oyo, ma sunga les sentinelles des chars, ma partenaire. Oyo, ma zana mikili ya poto, Oyo, ma zali awa na kine awa. Tosengi bango, baka nisilabiso les sentinelles des chars. Na komona ndenga maman Oyo, bandi musala Oyo. Bango, bache ye appui. Nous sommes avec la maman La Cordon, voilà, oui. De l'ONG. Oui. On vous appelle comment maman? Maman Aline Mutombo. Maman Aline Mutombo. Comment vous gérez tous ces mamans ici? Les mamans, nous les gérons sous la vision de maman Rebecca. Nous sommes en train de les gérer avec des petits microcrédits que maman Rebecca vient de nous donner. C'est vraiment une grande joie. Ces veuves doivent apprendre à se prendre en charge. Et la prise en charge, c'est au travers les microcrédits. Nous voulons que ces mamans puissent se prendre en charge et remettre cet argent de manière à ce que chacune d'elles puisse vraiment bénéficier de ça. Notre souci, c'est que nous puissions avoir des partenaires. Nous avons besoin de partenaires ici d'abord, à Kinshasa. Nous avons vraiment besoin des gens qui peuvent mettre la main et soutenir maman Rebecca pour l'aider à bien gérer ses mamans. Mettre la main pour soutenir maman Rebecca, il y a plusieurs personnes qui peuvent se poser de questions. Oui. Quels sont les critères qui fait en sorte de sélectionner les mamans?
Les critères... Ce sont des mamans connues ou soit vous faites comment? Non, ce ne sont pas des mamans connues. Ce sont des mamans veuves qui marchent avec nous. Nous avons besoin des mamans veuves qui sont réellement veuves. Parce qu'il y a des veuves qui ont deux chemins. Il y a une équipe de suivi qui... Oui, il y a une équipe de suivi. Nous sommes en train de poursuivre les véritables qui vivent véritablement leur veuvage et doivent vraiment bénéficier de notre aide. De votre aide. Oui. Voilà. Un appel à tous ceux-là qui vous suivent, que ce soit ici à Kinshasa, que ce soit en Europe. Oui, que ce soit à Kinshasa ou en Europe, tous ceux-là qui sont de bons cœurs, qui ont vraiment envie d'aider, de servir Dieu au travers ce ministère d'aider les veuves, ils peuvent venir, ils seront les bienvenus. Nous avons vraiment besoin d'eux. Voilà, ils peuvent venir, ils seront les bienvenus. Oui. Vous allez remarquer qu'il y a vraiment la joie. Naïlongiwa maman, elles sont très joyeuses pour voir comment est-ce que Acte au maman Rebecca a posé pendant que son abango maman dans la mbongote a habité dans Rubanda roté kangu bandeni na bandote kama kala ndengeni mais na moke on zamba pesier a salika o makomi lobi il faut que partager na ba veuve ko son ape ba orphelin voilà bino bato a mité ma monene hein au besoin na biso venez soutenir cette œuvre hein aza maman aza mwana mwasi aza loboko moko ceux qui boye ko sunga to singi pe ba autorité belé mboka venez soutenir bo monique eza pena musale salama na ONG le char le sentinelle pas peso comme la maman Rebecca. Nous allons essayer pe ya kozwa moi interview moke pa maman Rebecca pour amekambe ko sur na biso pour comprendre un peu vision vraiment il y a ONG le char le sentinelle, elle est là, maman Rebecca, bonjour. Bonjour papa. Nous sommes au jour où vous avez pensé aux mamans veuves, oui, en leur remettant le microcrédit. Ces grands cœurs que vous avez, c'est une révélation. Oui, cette œuvre a commencé depuis 2009 par la révélation du Seigneur qui m'a dit de quitter la Suisse pour venir soutenir d'abord les veuves et les former dans la prière. Donc c'est vraiment un centre de prière d'abord, et puis après les soutenir. Comme la parole de Dieu nous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux, et le reste viendra par-dessus tout. Et c'est ce que je suis en train de faire pendant 13 ans. Pendant 13 ans, vraiment, je n'ai pas de partenaire, je l'ai fait tout seul, vraiment avec un cœur, parce que je sais que ce qui s'aime beaucoup récoltera aussi beaucoup. Je l'ai fait pour le Seigneur, je ne le fais pas pour moi-même. Pendant 13 ans, seul. Oui. Et comment vous avez pu subvenir dans tous ces besoins ici? Ben oui. 13 ans, tenir le flambeau seul, sans soutien. Ben oui, j'ai un mari qui a un cœur doux et qui est rentré aussi dans la vision, qui me permet, parce qu'en Europe, on travaille la femme et l'homme, hein, donc qui permet aussi que mon salaire, je puisse participer pour soutenir ces veuves et les orphelins. Donc si on comprend bien, ça sort de votre salaire. Oui, ça sort de mon travail, de mon sueur. Ce n'est pas que quelqu'un, oui, il y a des côtés qui me donnent 100, 200, 300, mais... Jamais personne ne m'a donné 1000 dollars pour venir soutenir des veuves et des orphelins. Ça vient de moi-même. J'ai investi avec. Tu viens, Pasteur Germain. Voilà. Avec tes Pasteur Germain, que j'ai commencé avec il y a 13 ans en arrière. 13 ans. Oui, oui, c'est lui qui était là avant les cordons d'ici. Donc, j'ai vraiment cette cœur de donner. Parce que nous, en Europe, on a assez. On mange, on a tout. Et tout ce que j'ai, j'aimerais donner aux autres. Et quand je donne, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de donner. Et même ma famille ne comprend pas comment tu peux donner et tu as vraiment la joie de donner. C'est comme ça qu'il faut donner. Parce qu'il y a d'autres personnes qui donnent. Non, non, je ne m'aime pas. Je donne parce que je sais ma récompense là au ciel. Le Seigneur m'attend. Et cette vision, Zakara, ici à Kinshasa, ou soit c'est une vision un peu élargie. C'est une vision qui est élargie. J'ai commencé à Burkina Faso. Okay. Il y a des veuves, des orphelins. Là-bas aussi, ils sont en train de construire des charités. La prochaine fois, je vais amener des bères de charité. Ça a grandi. Et puis, je ne veux pas tout le temps là-bas. Et deuxièmement, on a ouvert l'année passée à Kisantu. Okay. Jeudi, j'étais à Kisantu pour lancer pour les orphelins. Mais là-bas, il y a déjà des veuves là-bas. Avec pasteur comme coordinateur, pasteur Moulenda. Joseph Moulenda, c'est lui qui s'occupe des veuves là-bas. Voilà, merci beaucoup maman. On aura vraiment prochainement le temps d'en parler plus sur l'ONG. Vous comprenez que maman a un grand cœur, comme je l'ai dit toujours et que j'insiste. Pendant 13 ans, seul, soutenir les veuves, soutenir les orphelins, c'est vraiment, c'est une grâce. Il n'y en a pas assez de mamans qui ont ces grands cœurs, quitter l'Europe, la Suisse, pour venir ici à Kinshasa, pour aller dans des provinces, Bas-Congo, qui sont tout là-bas, pour essayer de soutenir les orphelins et les veuves. 13 ans avec maman. 13 ans avec maman.
C'est une révélation de Dieu. Mm-hmm. Depuis 2009, quand maman était venue avec la vision, et on était dans la prière. Mm-hmm. Et Dieu nous a confirmé à ce que nous allons soutenir dans la prière. Et chaque fois, on est avec des mamans veuves. Ce n'est pas la première fois de donner des crédits. Ce n'est pas la première fois. Il a donné beaucoup. Okay. Beaucoup. Voilà, des voitures, il y a des conteneurs, des voitures qui sont voilà. Ici pour les mamans veuves. Et il sacrifie vraiment son cœur et son âme avec son épouse. Vraiment. C'est pour ça que nous les soutenons dans la prière. Voilà, nous lançons aussi un appel. Si oui, c'est ça. Nous demandons, nous cherchons qui... ceux qui ont des moyens pour qu'ils puissent directement soutenir les mamans. Mm. Les mamans veulent les soutenir, c'est ça. C'est que nous demandons. Moi, je vais lancer un appel. Il y a de la première dame de RDC, maman Denise Nyakero. Je suis maman Fachi Béton de la Suisse. Je fais partie des mamans Fachi Béton de la Suisse. Je suis leur maman pasteur et je les conseille aussi. Et deuxièmement, je demande de vraiment, tu as un cœur de mère, de soutenir cette œuvre. On a commencé une orphelinat. Pour moi tout seul, je n'arrive pas. À Bas-Congo, précisément à Kikonka, là où à Kisantu ou Kikonka, on a commencé jeudi une orphelinat là-bas. Vraiment, si vous avez des moyens de nous soutenir. Maman Olive Lembe. Maman Yamite ma moté ma malamu maman Luka Osunga. Osunga, Osunga, Osunga biso, tozala to senga lusungi, do boko mo na kokate. Na mwa muke na nango, ya on na sala so makoke zali sunga biso, kobosa na biso te les sentinelles les chars. Voilà. Voilà, les sentinelles, les chars. Voilà. Ce qui t'aurait causé adresse vraiment complète, l'adresse complète de l'ONG. Qui permettra à ce que les personnes qui ont été soutenues soutenir. Siège Nango Ezali na Kombe numéro 6, na Ozone Ngaliema, quartier Mosei. Voilà. Commune Ngaliema. Ndeko Jacques, Balobi Bino Ndependa Bosimba Bendele, vous êtes fort na ONG Oyo. Oui, merci d'abord pour la parole. Biso Tozaliawa, maman Rebecca. À lancer qui me appelle, en tout cas, il y a qui me bino, venez voir cette idée que j'ai pour les veuves et les orphelins. On était venus avec notre papa, le pasteur Mutombo Niemba, c'est lui qui est le coordonnateur maintenant. Malgré il n'est pas là, mais il est toujours avec nous. Donc, on a commencé cette œuvre. En réalité, ces mamans que vous voyez ici, quand ils viennent ici, ils prient pour la nation. Ils prient pour la nation. Les veuves et les orphelins qui sont ici, ils prient pour la nation. À leur âge, ils ont fléchi à genoux, ils prient pour notre nation, Nzamba Sala. Et puis on voit des choses, les Camorins, à cause de leur prière aussi. C'est pour cela que nous prions aussi, notre autorité, notre autorité, ce que notre maman a fait. C'est que notre maman a fait à Salika na ba moyen na ba bili boko moko musapimo ko esukola ke longité ce qui yo peut yo ko sunga ba maman ezamala mo parce que tant maman bondeli a ke ya salimo mombongo na ye e ko zamala o bazan pour ça ko ya ko sunga wana ba ko za numéro na bino ya contact ko ba ko te en contact na bino pour peut-être dans musika tozan ba réseau petit na rambo ta ba na ko ko ma kuna te za musika Azata m'a dit de l'argent $100 na tinda un numéro sur bon numéro la biche est à 085 87 46 230 je recommence 085 87 46 230 ce que lingo zo biso adresse na biso toza na ozone na Ngaliema na quartier Musei na avenue Kombe numéro 6 voilà. Bonjour, adresse. Batou Yakosunga. Voilà. Numéro, monsieur sous papa. 089 29 77 835. Bandela Yamos. 089 29 77 835. Voilà ce qui va bengi. Bazui ONG, le chat. Bakozoa ONG, le chat, sentinelle. Oyo, maman Rebecca. Azo dirige na pasteur Mutombo. Sans problème. Et Kokoma. Nanenga kimia nyoso sans problème. Voilà. Bandeko ya motema monene, bato bazola na biso, esika ya kosunga yango, yo ke na na bar obomi $200 na yo. Oke na hotel, osali ki ndumba na ba prostituée,
et vous pouvez vous en besoin de soutien à Bino. Venez soutenir cette œuvre, le char, les sentinelles, et puis vous pouvez na maman Rebecca Boya, na mote mamola au besoin d'ango. Parce que quand on a une veuve, quand on a un orphelin, et comme ami même dans la Bible, les actes moraux bibliques au bino reposer, mais nous avons là à osant appeler que sous la bino. Voilà. Vous allez suivre la suite des événements. Comment est-ce que les mamans sont joyeux? La journée est un peu sucrée, mais c'est mon nom. Pour guider mon thème, maman Rebecca, Aza, mon thème.